J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de me lancer dans un nouveau weekly vlog. Donc, let's go pour cette première semaine. On est lundi. Petit make-up, bah voilà, un petit peu assorti à mon fameux chouchou pull. Rouge à lèvres fleurs de chez Huda Beauty, un rouge à lèvres mat. Et puis sur les yeux, j'ai utilisé ma nouvelle palette que Ella m'a offert. Je vous mets la petite photo ici. Parce qu'elle m'a trop gâtée quand elle est venue samedi. Donc, elle m'a offert une belle palette de Root Cosmetics. Et honnêtement, très belle pigmentation, encore une fois, je suis méga ravie. J'ai aussi craqué chez Primark avec Ella pour quelques petites choses. Je vous montrerai ça sûrement ce midi. Comme ça, vous aurez un petit aperçu de mes petits, de petits achats chez Primark. Vraiment pas des trucs de fou. Mais je vous montrerai au cas où vous avez envie d'aller fouiner encore. Même quand les soldes seront finis, je pense que vous pourrez encore les trouver. Le facteur est passé ce midi et il nous a bien gâtés. Premier colis que je découvre, je suis trop méga contente. Vous savez que j'adore cette marque, c'est la marque My Jolly Candle. Avec une nouvelle surprise pour ce mois de février, c'est la My Jolly Candle spéciale Monoeil de Tahiti avec un bijou à l'intérieur comme d'habitude. Hein, vous la connaissez cette bougie et là, il y a des petites boucles d'oreilles. Je suis trop contente, c'est vraiment la bougie à offrir, la bougie cadeau. Et on a un petit, cette fois-ci on a un petit couvercle à mettre dessus. Voilà, le petit couvercle est vraiment joli en bois comme ça, sublime. Je vais pouvoir le mettre sur toutes mes bougies. Ça va être très sympa pour conserver au mieux la bougie. Je trouve que ça va être trop cool. Et puis ça, voilà, c'est un cadeau trop sympa. Et d'ailleurs, les boucles d'oreilles, j'ai pris exprès boucles d'oreilles parce que je voulais les offrir pour ma fille. Donc j'ai pris en doré logiquement, en or, parce que ma fille, elle voulait des nouvelles boucles d'oreilles. Donc je me suis dit, j'allais prendre ma nouvelle bougie et lui choisir pour elle, pour lui offrir le bijou qu'il va y avoir à l'intérieur. Et c'est vraiment une odeur divine, de printemps, d'été, vraiment une odeur que moi j'utilise toute l'année. Je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient mis en plus ce petit pochon là, un petit cadeau. Vous pouvez le réutiliser pour toutes vos bougies, du coup c'est très sympa. D'ailleurs, sachez que les pots, vous pouvez les réutiliser, hein, ne les jetez pas, même si c'est en verre. Vous les lavez un petit coup au congélateur, ensuite vous les lavez et vous pouvez vous en servir en pot à crayon, pot à pinceau, enfin tout ce que vous voulez. Hein. J'ai complètement zappé de me désabonner de ma Birchbox. Du coup, j'ai reçu celle de février, mais il faut vraiment que je me désabonne ce mois-ci parce que, encore une fois, je ne suis pas conquise. Elle est quand même très bien remplie, mais je sais pas, ça me bâme pas, ça me motive pas. Donc, on a un shampoing, un après-shampoing. Je crois qu'il y a un produit manquant. Du coup, ils sont remplacés par celui-ci. Donc, pourquoi pas, ça, les shampoings après-shampoing, pourquoi pas. On a un blush de la marque Apicia. Ça, j'aime pas. Les blushs comme ça, liquides, j'aime pas. Donc, ça, je donnerai. Ensuite, on a une crème pour le corps comme ça de la marque Baija. Ça, j'aime bien, mais je la connais déjà, donc c'est pas une découverte. Et pour finir, on a un masque de nuit de la marque Nuit des Vagues, Algology. Ça, pourquoi pas. Pour finir, j'ai passé une petite commande. Oui, encore, il y en a une autre qui va arriver chez Sephora. Faut que j'arrête, hein, vraiment, faut que j'arrête. Mais il y a eu une nouvelle palette qui est sortie. J'étais obligée de la prendre. Ça, je l'ai pris en solde à moins, à presque 4 €. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'en avais déjà acheté dans mon dernier haul solde. Et du coup, j'ai pris l'autre gamme parce que j'aime bien celui que j'ai déjà acheté. Et voici le craquage, la petite palette Love Palette de chez Natasha Denona. Et voilà. J'étais obligée. Non mais, je sais pas si vous verrez bien les couleurs. On voit un petit peu mieux les couleurs ici. J'ai hâte de vous faire des swatchs et je pense que je vais me maquiller cette semaine avec pour que vous puissiez voir un petit peu tous les make-up cette semaine avec cette palette. On se retrouve mardi. Aujourd'hui, je me suis donc maquillée avec ma nouvelle palette, la petite Natasha. Là, vous allez mieux la voir vu que je suis mieux placée pour vous montrer. Donc j'ai utilisé quand même quelques couleurs, j'en ai utilisé 4-5 pour faire le maquillage que j'ai aujourd'hui. Dans les tons roses, c'est très joli, mais... les fards se travaillent très bien, c'est la qualité de Natasha Denona. Mais j'ai trouvé que les irisés que j'ai utilisés, donc j'ai utilisé 2 irisés, là je vous les montre, le transparent et le giving, ils sont là. Et bah ils étaient pas si lumineux que ça quand on les utilisait au pinceau. Donc j'ai dû mouiller mon pinceau avec une sorte de fixateur. Et là c'était un petit peu plus intense. Donc après le dégradé de couleur il est là. Ça fait un joli dégradé. C'est très uniforme. C'est voilà, ça a bien tenu. Alors depuis ce matin je l'ai. Le liner il est très bien passé dessus sans problème. Donc après la qualité du make-up est là. Hein, c'est très pigmenté. Mais voilà, on verra demain, je vais l'utiliser toute la semaine, comme ça vous allez avoir une petite revue sur ça. Ça va être plutôt, je pense, intéressant pour vous. Et aujourd'hui, j'ai testé le fixateur, le face makeup fixer de chez Kiko que j'ai eu dans mon swap avec Lily. Je vous le remettrai dans le petit i, le swap de dingue.
Et j'étais contente, assez sceptique de tester ce produit-là parce que je connaissais pas trop, je n'avais pas trop entendu parler. Et puis en même temps, je me suis dit ça peut être cool parce que j'ai un fixateur déjà de la marque Pacifica qui est plus là, un peu plus liquide, vous savez, qui va plus unifier le teint. Et je voulais un fixateur qui va fixer dans le sens où si je mets mes doigts, et ben ça va pas laisser des traces de doigts. Alors qu'avec l'autre, ben, si je touchais mon teint, j'avais mon fond de teint sur les doigts. Ici, celui-ci, j'ai vraiment l'impression. La luminosité change, ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment l'impression qu'il fixe vraiment. C'est vraiment une brume continue comme ça. Une brune un peu comme si vous mettiez de la laque. Clairement, c'est ça. Ça sent pas trop mal, j'aime bien l'odeur. Pour une première utilisation, je suis assez conquise, donc je vais continuer à l'utiliser de temps en temps. Peut-être pas tous les jours, parce que j'ai peur que ça me donne des boutons, des choses comme ça. Dites-moi si vous l'avez testé en commentaire. Mais je vais continuer à l'utiliser en tout cas. Sur mes lèvres, j'ai utilisé cette merveille là, c'est les Liquid Lipstick Set, donc un ensemble de rouge à lèvres liquide de chez Stila. C'est Elodie Moitou qui me l'avait offert dans notre calendrier de l'Avent, c'est la teinte Miel Shimmer, donc une sorte de mat mais lumineux. J'aime beaucoup, la tenue est dingue, je l'ai depuis ce matin, il n'a pas bougé. J'aime beaucoup faire attention parce que des fois j'en ai un petit peu sur les dents, mais mis à part ça, après il est sans transfert, il n'y a pas de problème, c'est un bon petit kit ça que j'aime beaucoup. Je crois que vous le trouvez sur Beauty Bay. À vérifier. J'essaierai de vous mettre à son les liens des choses dont je vous parle en barre d'infos. Et j'ai reçu ma deuxième Birchbox parce que oui, j'en reçois deux, une que je paye et une en partenariat. Faut que j'arrête celle que je paye. Hein. Je recevrai toujours la Birchbox, mais faut que j'arrête celle que je paye. Et dans celle-ci, c'est quasi les mêmes produits. Hein, donc je pense que je vais vous les faire gagner sur Instagram. Hein, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Il y a juste un produit qui change et je voulais vous le dire parce que bah, j'aime bien ce produit qui change. Donc c'est l'After Spa, une éponge exfoliante pour le visage. Mais ce que j'aime bien, parce qu'on a déjà eu des éponges exfoliantes pour le visage dans les box comme ça, mais qui étaient bizarres, vraiment pas terribles. Ce que j'aime bien, c'est que c'est sous forme de petits gants. Vous mettez donc votre main dedans et vous pouvez donc vous exfolier le visage avec. Alors ça me paraît un peu. Un peu rêche, mais à voir. Hein. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester. Il y a un côté tout doux et un côté exfoliant. Donc c'est un 2 en 1 et ça, j'aime bien. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien aussi de Birchbox en barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois que vous gagnez 10 euros sur l'eShop si vous avez envie de vous lancer, vous inscrire, tester des box, etc. Vous avez un lien qui vous donne 10 euros sur l'eShop des inscriptions. Je vous montrerai peut-être mes achats Primark dans une autre vidéo. Primark et Camaïeu, c'est peut-être mieux, ce sera peut-être moins long ici. En tout cas, j'ai fait des petites merveilles avec. J'ai trouvé des petites merveilles avec Ella, pas des trucs de fou, mais des petites merveilles. Et puis j'ai re. Ce soir, j'irai donc chez Camaïeu faire un petit tour et peut-être que je vous ferai une vidéo Primark et Camaïeu. Et je vous ai pas montré hier, je fais ma manicure. J'ai décidé de faire une petite manicure noire comme ça. Je trouve ça trop classe. Vous avez été nombreux sur Instagram à réagir en me disant waouh, c'est trop joli et tout. J'ai fait ça avec un vernis P2 que j'ai acheté sur chez Nose. Hein. Retrouvez-les dans ma dernière vidéo Nose. Est-ce que ça va vouloir focuser? Voilà, là vous voyez à peu près bien. Et les petites paillettes, c'est un vernis Catrice, comme ça que j'ai mis, un petit accent nail. Je trouve ça sympa, mais le noir, je trouve ça trop, trop, trop classe. Là vous pouvez voir de plus près mon petit make-up. Et voilà, je vous montre le concours qui arrive sur Instagram, là tout de suite dans quelques. Sûrement il sera déjà en ligne quand cette vidéo sera en ligne, donc sur Instagram, mais je vais le mettre aussi dans l'onglet communauté pour celles qui n'ont pas Instagram et qui veulent quand même participer. À l'intérieur, je vous propose de gagner du coup cette palette Jovia's Place, un blush qui était dans la Birchbox. Un primer de chez Sephora, deux palettes de chez pour le teint de chez Makeup Revolution, un nettoyant pour les pinceaux de chez Action avec les crayons, les fameux crayons de chez Action, et un pinceau de chez You Are Cosmetics. Donc vous avez quand même pas mal de petites choses et je pense, comme d'habitude, au moment d'envoyer le colis, je rajouterai des petites choses en plus. Donc rendez-vous sur Instagram, Karine Wisbook, et sur Facebook et dans l'onglet communauté. Je vous retrouve du coup le soir, j'ai été faire ma petite virée shopping. Je vous ai dit, fallait que j'aille chez Camaïeu, je suis passée chez Grand Malice et chez Kiko. Mes autres achats mode, je vais vous les mettre dans une autre vidéo comme ça avec Primark, etc. Mais chez Kiko, voilà, j'ai craqué pour des petites choses, j'ai déjà tout déballé. J'en ai eu pour 12 euros au lieu de 22. Donc j'avais un bon d'achat en fait de 10 euros à dépenser, des 20 euros d'achat parce que c'était pendant les soldes, ils offraient ça. Donc j'en ai profité pour les dépenser et on pouvait les utiliser sur les produits encore soldés. Donc j'ai pris les fameux gloss comme ça, 3D Hydra Lip Gloss. Tout le monde en parle, c'est la teinte 17, donc c'est un rose très pailleté.
une sorte de rose un peu basique, mais je me suis dit que voilà, vu que j'ai envie du Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, mais que je vais pas craquer tout de suite, je me suis dit que je vais tester celui-ci en attendant. C'est vraiment le genre de couleur logiquement qui passe partout. Et vous allez voir que j'ai craqué après que pour des crayons à lèvres, parce que je trouve que j'ai pas assez de crayons à lèvres, ils sont pas très hydratants, ils sont pas faciles à utiliser, et j'ai envie de plus en plus d'en utiliser pour mettre du rouge à lèvres, pour que ce soit plus précis, un peu plus lèvres plus épaisse. Bon là vous inquiétez pas, hein, c'est mon rouge à lèvres de ce matin qui est toujours là, mais il est un petit peu parti quand même. Donc j'ai pris 3 qui étaient en solde à 3,50, la gamme Sicilian Note comme ça, qui devait correspondre au rouge à lèvres hein, de la même gamme, mais peu importe. Hein. C'est un rouge foncé un peu, qui tend un petit peu vers le marron, un nude parfait marronné et un corail comme ça. Donc je les ai pris parce que voilà, ça va avec tous les rouges à lèvres qu'on a envie de mettre à peu près tout le temps. Et après j'ai pris un violet et un nude rosé cette fois-ci, un peu soutenu pour voilà d'autres rouges à lèvres. Ceux-là ils étaient à 4€, ceux-là à 3,50, 4,19 je crois. Donc voilà, j'en ai pas eu pour cher, j'ai pris que les produits lèvres. Oui, bravo Karine. En tout cas ça m'a fait du bien cette petite coupure. Vous avez dû voir sur Instagram que j'ai pas mal été critiquée encore une fois, que j'ai eu des commentaires vraiment très sympas, donc... Alors j'ai pas, il y en a plein qui m'ont demandé si ça me tracassait. Honnêtement, sur le coup, ça m'a un peu énervée. On m'a dit que j'étais folle, orgueilleuse, que je ne m'entretenais pas, que j'étais négligée. Donc oui, ça m'a un peu saoulée. Mais bon, après, on passe à autre chose. Hein. On va pas se prendre la tête hein, quand même. Donc voilà, à demain. Coucou, aujourd'hui on est mercredi, donc le make-up avec la fameuse Natacha. Ensuite je vous mettrai un petit peu tout ce que j'ai utilisé sur le teint, les lèvres, etc. Mais pour la Natacha, aujourd'hui j'avais envie d'utiliser tout ce qui était dans les tons violine. Et celui-ci est très joli vraiment. J'ai tenté d'utiliser cette espèce de gris un peu qui tend vers le violet, mais j'ai pas réussi à l'utiliser tout de suite. Je trouve que les crémeux s'utilisent très bien au doigt, mais d'habitude on peut quand même les utiliser un petit peu au pinceau, mais là j'ai pas trop réussi tout ce qui est crémeux lumineux. En plus je les trouve pas assez lumineux à mon goût. Et en coin interne j'ai utilisé celui-ci là en coin interne. Alors j'ai essayé, vous allez voir de près, de faire un make-up un peu plus un peu différent de d'habitude, un peu plus extravagant, donc je vous montre de plus près. Et voilà, le résultat, vous voyez, j'ai un peu tendu comme ça vers l'extérieur et j'ai mis un petit trait de liner ici. Je trouve que c'est sympa ce côté trait de liner. Après, voilà, j'ai fait dans les violets, bah forcément la palette s'y prête plutôt pas mal. En revanche, j'aurais peut-être dû mettre un ton froid sur les lèvres. Là, ça va pas. Je me dis que ça va pas, il aurait fallu que je mette un rouge à lèvres plus violine froid. Mais je changerai tout à l'heure, je pense, et je vous montrerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, sinon la palette reste très bien pigmentée, elle se travaille bien, mais il faut y revenir. Même le violet foncé là qui est sur le coin, il faut y revenir plusieurs fois pour réussir à faire ce côté-là. Ils ont une très bonne tenue, en revanche, les fards, hier soir, grâce au spray fixateur, je pense Kiko, mon mari m'a dit mais tu t'es remaquillée ou quoi? On dirait que ton maquillage n'a pas bougé. Et effectivement, mon teint n'avait pas bougé, mes yeux n'avaient pas bougé. Effectivement, avec Natacha, les fards à la fin de la soirée se sont un peu rassemblés, mais on voyait quand même se sont unifiés, on va dire, mais on voyait quand même le dégradé de couleur. Je verrai ce soir. Mais pour l'instant, je suis pas encore conquise à 100 000%. J'ai connu mieux dans les petites palettes, là, les mini glam, etc. Je les trouve encore mieux. Pour le make-up du jour, j'ai utilisé toujours mon petit matissime velvet de chez Givenchy que j'ai retrouvé et que je réutilise. Je suis en train de terminer le petit tentissant de Tarte. J'ai utilisé la petite chocolate soleil que je suis en train de terminer de chez Too Faced. J'ai ressorti mon enlumineur Nabla qui est sublime. La palette NARS toujours pour le blush. J'ai utilisé la petite Natacha comme toute la semaine. Hein. Je vous ai dit que j'allais l'utiliser toute la semaine. Les paillettes de chez NYX, les Glitter Gold, un petit peu rose comme ça, les mascaras Dior en base et le Tarte comme ça en mascara noir. Et puis sur les lèvres, ce petit duo là, Kiko et un gloss. Vous allez vous dire, la fille, quand elle fait un weekly vlog, elle reçoit toujours plein de colis. Mais c'est vrai, c'est bizarre, à chaque fois dans mes weekly vlogs, quand j'essaie d'en faire un, eh ben, je reçois 10 000 colis dans ma semaine. Ce n'est pas toutes les semaines comme ça. Hein. Mais là, j'ai reçu 2 colis, une box et des trucs pour mes enfants. Ça, je les ai payés. La box, c'est un partenariat, c'est la Beautiful Box. Ouh, elle est mignonne, elle est toute girly et gourmande comme ça. Avec des petits gâteaux de celui-là, elle a l'air très sympa. Et alors ça s'appelle la Saint-Valentin gourmande. Alors nous on fait pas spécialement la Saint-Valentin, mais je trouve ça cool. Oh, je vois qu'il y a un gommage de chez Baïja.
Ça, c'est trop sympa. Et c'est le gommage. J'adore les gommages de chez Baija. C'est le Vertige Soleil. Donc je pense que ça doit être une odeur ensoleillée comme ça. Ils sont très bien en plus en petit pot, c'est très sympa. Ces gommages de cette marque là sont top. Les crèmes pour le corps j'aime moins. Mais comme on en a reçu une dans la Birchbox, c'est sympa, on pourra faire un duo. Même si j'ai beaucoup de produits de cette marque là. Mais les gommages je les adore particulièrement. On a un blush liquide. Mais pourquoi vous faites tous des blushs liquides? Il y en a marre de vos blushs liquides. De la marque Elikia Beauty. Donc bref, ça je suis un petit peu moins emballée hein, parce que j'en ai... J'aime pas trop les blushs liquides, mais pourquoi pas tester. On a un masque hydratant visage à la coco, donc un peu style chocolat quoi. Pourquoi pas de la marque Anycare. Ça c'est une marque que j'avais déjà testée, je pense. Il y a le petit menu ici hein, pour vous aider. Elle a l'air pas mal cette marque là. Au chocolat, pourquoi pas, ça doit être gourmand. On a un petit baume à lèvres au miel biologique de Provence, de la marque Panier d'essence. Ah ça je suis contente, j'aime beaucoup les baumes à lèvres et en plus la Panier d'essence c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai des crèmes pour les mains que j'aime beaucoup de cette marque là, donc ça je suis conquise. On a un crayon pour les yeux marron glacé de la marque de Bruyère, Paris. Donc un marron froid métallisé un petit peu, vous verrez pas mais c'est un marron froid métallisé, faites-moi confiance. Et pour finir, si je ne me trompe pas, on a un nuage de chantilly, la marque Canité. Ah, une crème fouettée visage et corps. Bon, visage, plus pour le corps, je pense. Au beurre de karité, au beurre de baobab et à l'huile de nigel. Oh, ça a l'air trop trop bien ça. Ça a l'air très très doux, très sympa. Bon, ça a une texture vraiment agréable. Alors, voyons voir l'odeur parce que c'est ça qui est important. C'est vrai que c'est une odeur bien gourmande. Ah, j'aime bien. Ah, ben, ça va bien avec le thème du coup. C'est ma foi, mis à part le crayon yeux que je suis un petit peu moins emballée et le crayon, le blush là comme ça, mais bon après à tester hein, pourquoi pas, parce que ce blush est dit à la framboise, donc il rehausse le teint et illumine, bon pourquoi pas tester hein. Je suis pas fermée au blush crème mais bon c'est pas ce que je préfère, en tout cas c'est vrai qu'elle est gourmande, il y a du cacao, il y a de l'onctuosité, le petit gommage au sucre comme ça il a l'air très sympa. Honnêtement je sais pas ce que vous allez en penser, mais encore une fois la Beautiful Box je la trouve top et puis il y a que des full size. Et si vous êtes une abonnée, vous avez en plus une crème pour les mains de la marque La Cassitane offerte. Hein. C'est écrit là, moi je ne l'ai pas eu parce que je ne suis pas abonnée, j'ai un partenariat. Mais vous, si vous êtes abonnée, vous l'avez. D'ailleurs, en passant, je vous mets en barre d'infos le lien de parrainage de ma copine Olivia qui s'est abonnée un peu à cause de moi, je pense. Et du coup, moi je n'ai pas de lien de parrainage, mais elle, elle en a un. Peut-être que ça vous apporte des choses. Elle, ça lui apporte sûrement des choses. Je ne sais pas trop exactement, mais je vous mets son lien en barre d'infos. Je vous ai déjà parlé de cette marque là, donc j'ai commandé sur le site Elle comme Lune, elle faisait quelques petites promos et j'avais envie de prendre des choses pour mes enfants, donc elle m'a mis un petit carnet qui est trop mignon, avec je pense que c'est le petit carnet de publicité avec ces petites choses qu'elle a sur son site. Elle fabrique des cartes, des petites sortes de jeux de cartes pour les enfants sur certains thèmes, elle fait des petits carnets aussi que vous pouvez réutiliser, écrire à tout va dessus et effacer, réutiliser. Elle m'a mis plein de bonbons et du thé dans la commande, donc merci pour ta commande et ton réseau sur les et ton soutien sur les réseaux, parce que oui je fais de temps en temps de la pub parce que bah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais décidé de commander absolument pour cette petite boîte, vous voyez c'est des petites boîtes comme ça, Elle comme Lune. J'apprends à écrire mon prénom avec les cartes et c'est pour ma fille en fait, parce que je voulais qu'elle fasse ça. Il y a les cartes, les lettres de l'alphabet en script, vous pouvez écrire sur les cartes pour entraîner votre enfant à faire les lettres de l'alphabet, elle peut écrire son prénom avec les lettres, elle peut aussi les faire de l'autre côté en fait quand vous tournez, ah non elles sont là. Ah non, il y a deux jeux de cartes, en fait je pensais que c'était recto verso, mais c'est recto verso pour les cartes en capital, et vous avez aussi le jeu de cartes en attaché. Et là, il y a le petit point rouge pour vous dire par où commencer pour s'entraîner à faire les lettres en attaché, donc trop bien. Vous avez des cartes joker où l'enfant peut faire lui-même ses lettres et écrire lui-même ses lettres, je trouve ça trop trop bien. J'adore l'idée. Et il y a les petites cartes explicatives. Vous avez plein d'activités possibles avec ça. Elle en donne plein sur son Instagram. Donc j'ai hâte de faire ça avec ma fille. Et puis ensuite avec mon fils. Je pense que ça servira voilà, pour mes trois enfants. Donc c'est pour ça que j'ai investi. C'était 12 euros le lot de cartes. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Parce que c'est très bien. C'est qualitatif. Et ça marche super bien avec les enfants. D'ailleurs même les maîtresses s'en servent pour l'école. Pour les petites sections, moyenne section, grande section, CP. Moi je vous avoue qu'en CM1, CM2 j'en ai moins l'utilité. Mais je vais essayer de réfléchir avec mon directeur pour essayer d'investir dans des carnets comme ça réutilisables en mode cahier d'essai où les enfants feront leurs exercices, effaceront, referont leurs exercices, effaceront sans avoir des feuilles de papier de partout, etc. Même pour la géométrie ça peut être vraiment bien, même si c'est pas au crayon gris ça peut être quand même très sympa
à réfléchir en tout cas. J'ai pris la boîte aussi sur la boîte à mots des légumes. Moi j'ai celle de l'école déjà. Et voilà, je suis trop contente, je suis trop contente là pour travailler les légumes avec mes enfants. Vous avez donc d'un côté l'image pour celle-ci et de l'autre côté tous les différentes façons de dire le mot. Donc betterave en français et après vous avez beetroot, remolacha. Donc bah, voilà, vous avez toutes les langues différentes. Donc je trouve ça très intéressant pour travailler les différents langages, les différentes langues. Travailler aussi le vocabulaire, enfin, c'est très enrichissant pour les enfants. Je pense que ça, elle me l'a offert parce que je ne crois pas l'avoir commandé. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Je pensais lui acheter une prochaine fois dans une prochaine commande. Mais c'est le petit carnet d'écriture comme ça, toujours sur les légumes parce qu'elle fait des carnets d'écriture sans rien pour, avec des pages vides en fait, avec des lignes pour que vous puissiez écrire. Mais elle fait des carnets aussi d'écriture en lien avec la petite boîte que vous avez achetée. Donc là, c'est les animaux, hein, avec tous les animaux. L'enfant peut s'entraîner à les écrire, à faire les lettres, voilà, à effacer. Et il y a des stylos, voilà, comme les stylos Velleda. Elle en offrait un. C'est de la marque Stadler. L'heure justement, donc voilà, les stylos effaçables et à la fin je crois que voilà, vous avez même un petit jeu avec relier le fruit, le légume avec ben, son dessin. Je trouve ça trop bien, vraiment j'aime beaucoup cette marque, donc je vous invite en tant que maîtresse ou maman à aller la découvrir, c'est une très jolie marque. Bon, mon programme de ce mercredi, emmener ma fille à ses deux cours de sport, elle a judo et ensuite danse. Ensuite, il faut que je fasse plein de corrections, j'ai des évaluations à corriger puisque bah là, semaine intensive d'évaluation, samedi, dimanche, ça va être semaine, je remplis les livrets de mes élèves puisque je dois rendre tout la semaine prochaine. Donc la pression, les maîtresses comprendront ce que je ressens, c'est que là, c'est moi j'ai pas fait au fur et à mesure, telle une maîtresse pas forcément tout le temps organisée, donc là il va falloir que je bosse beaucoup, donc je vais aller faire toutes mes corrections cet après-midi, j'en ai un paquet, et puis je vais aller mettre en ligne tout à l'heure la vidéo que vous aurez en ligne aussi, vous l'aurez déjà vu logiquement, et voilà pour un mercredi qui passe très vite. Coucou, aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui c'est une journée pourrie. Oui, il y a des jours comme ça. Bon, make-up toujours avec la Natacha Denona. J'ai bien aimé l'utiliser aujourd'hui, je sais pas si vous verrez bien. Les couleurs se sont bien travaillées, là ça allait mieux, mais il faut quand même une technique je trouve, mais ça allait mieux. Et sur mes lèvres, j'ai un rouge à lèvres de Huda Beauty, un mini liquide, mais je ne sais plus la couleur. Je ne sais plus, ça me reviendra. Je vais vous montrer une petite case d'un élève, ils ont fait une superbe case dans ma bibliothèque là, qui est juste comme ça là. Je vais vous montrer ça et puis après je retourne en réunion parce que voilà, et ce matin ça a mal commencé la journée. En plus je viens d'apprendre que j'avais une réunion, j'avais pas fait attention, enfin bon, il y a des jours comme ça où je suis pas organisée du tout. Case, j'avais même pas fait attention mais ils ont rempli deux cases, donc là il y a des élèves de Serpentard qui ont fait leur case Serpentard avec leurs livres, leurs accessoires, leur Playmobil, non mais regardez-moi ça, c'est pas trop classe. Et puis alors le deuxième, il a ramené la collection complète quoi. Avec les stickers, il s'est fait vraiment une case à lui, quoi. Ils sont trop forts, mes élèves, quand même, faut le dire. Il a vraiment une sacrée collection. C'est vraiment sympa. Les jeux de cartes, les stickers, les trousses, les livres, les lunettes. Là, vive les Serpentards, hein. On voit que les Serpentards sont au top. Coucou, aujourd'hui c'est vendredi, il est 6h30, j'ai encore la tête dans le pâté, c'est dur. Là, je vais prendre mon petit cappuccino que ma petite Lily m'a offert dans notre swap, là, caramel macchiato version Starbucks. C'est vraiment trop bon et c'est le dernier. C'est le dernier, il va falloir que j'en retrouve absolument. Petit dernier make-up avec la palette parce que je sais pas si demain j'utiliserai. J'avoue que là, le rose, j'en ai un petit peu ras la casquette. Je vous montrerai peut-être demain en revanche les fards qui sont difficiles à travailler. J'ai beaucoup aimé, là vous voyez pas trop le make-up, hein, mais bon. J'ai beaucoup aimé cette palette, hein, vraiment elle est très sympa. Il y a quelques fards qui sont difficiles à utiliser. Il y a l'espèce de gris là, qu'on peut pas forcément associer à toutes les autres couleurs. Donc à voir, hein, je continuerai à la tester. Après je vais pas faire ça tous les jours. Là, mais j'ai fait au moins combien, 3-4 make-up là, c'est déjà pas mal. Je trouve que voilà. Après elle se travaille très bien, elle est super intéressante, il y a quand même des textures sympas, vous pouvez quand même faire des make-up assez sympas, assez jolis. Et hier d'ailleurs il y a une dame qui m'a dit « Ah, votre make-up il est trop beau et tout », donc j'ai eu pas mal de compliments sur mes make-up cette semaine, donc ça doit vouloir dire que quand même, je ne les trouvais pas trop lumineux les fards, mais finalement ça doit pas être si mal que ça. Au niveau du jour, on est donc vendredi, aujourd'hui je suis en sortie au collège avec mes élèves, donc... ça va être, je l'espère, sympa. On va prendre le bus, etc. Visiter un peu le collège de leur coin, en fait, où ils vont être affectés. Donc, on verra comment ça va se passer. Et j'ai hier été faire 2-3 petits achats chez Action. J'ai pris des petites choses pour mettre dans mon meuble. Je vais vous montrer parce que mon mari installe un nouveau meuble.
Je vous ai dit qu'on était en train de refaire notre salon et du coup on a acheté un nouveau meuble comme ça et j'ai acheté des espèces de petites boîtes comme ça pour ranger. Donc là elles sont complètement vides, hein, j'ai pas encore eu le temps de faire ça. Mais je suis allée acheter quelques petites boîtes et j'ai aussi acheté des petites choses pour mes élèves, des fils élastiques. Enfin, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Je pense que je vous montrerai ce soir, il n'y a pas grand-chose mais il y a quelques petites choses. Bon, je vous montre les deux, trois petites choses que j'ai pris chez Action. J'ai pris ça parce qu'une maman m'a dit que c'était super sympa. Donc, c'est pour graver sur les verres, sur le bois, sur le cuir, sur le métal. Donc, ça coûtait vraiment pas cher, je crois, 2 euros. Donc, pourquoi pas, ça doit marcher à pile, je pense. À tester, on m'a dit que c'était bien, donc faut que je teste. J'ai repris ça pour mes élèves et pour moi aussi. Mais pour mes élèves surtout parce que quand on imprime des choses, des photos avec eux, etc., bah, j'aime bien avoir du papier photo et j'ai tout utilisé ce que j'avais pour faire les chocogrenouilles. Ensuite, j'ai repris du papier pour plastifier. C'est toujours utile dans une classe. Ça, j'ai pris ça pour faire de l'aquarelle. Je sais pas du tout si ça vaut le coup. Il y a deux petits pinceaux avec réserve d'eau et des couleurs d'aquarelle. Soit pour moi, soit pour ma fille, soit pour ma classe, je ne sais pas encore. Ça, c'est une maman qui m'a conseillé aussi parce que je l'ai rencontrée dans le magasin et elle m'a dit que c'était pas mal et tout. Donc je vais tester avec ma fille, sinon je les mettrai dans ma classe. Du coup, j'ai pris ça pour faire nos cravates. On a fait des cravates aux couleurs des maisons, Serpentard, Richemondeur, etc. Et je voulais les attacher pour qu'ils puissent les mettre autour du cou pour la photo de classe. Histoire qu'on ait tous un peu notre petite cravate aux couleurs de notre maison. Et du coup, je vous montrerai ça bien sûr dans un autre vlog quand je l'aurai fini. Mais là, j'ai pris ça pour voir si ça fonctionnait parce que j'en avais commandé sur Amazon, mais il n'est pas encore arrivé ça va mettre trop de temps, je pense. Hein. Des fois, Amazon, c'est pas un jour. Ça valait pas trop cher et puis voilà, hein, c'est pour accrocher à nos cravates qu'on a fait, donc ça devrait le faire. Donc, je vous montrerai ça prochainement. Coucou, aujourd'hui on est donc samedi pour le week-end. Même si ce week-end, je vais bosser logiquement comme une malade puisque je dois, comme je vous l'ai dit, avancer, finir même, mais livrer. Donc cet après-midi, pendant la sieste de mes crapauds, ça va être le cas. Ce matin, j'ai quand même pris un petit peu de temps pour moi et je me suis maquillée. Je vous montre tout de suite les produits. Aujourd'hui, j'ai utilisé du coup la palette Natasha Denona, le petit crayon Marc Jacob, le liner Urban Decay que vous avez dû voir, il est trop beau. Mon duo pour les cils de chez Dior et Kiko. Fard à joues Tarte, le trio comme ça que Lily m'a offert, pas dans notre chambre, mais avant. La chocolate soleil de Too Faced que j'essaye de terminer. Sur mes lèvres, j'ai mis cette petite merveille là, mais il est magnifique, c'est le chocolate au nez. Les anciens melted comme ça, mais il était tout neuf, là je viens de l'utiliser pour la première fois et je suis déjà conquise. Le velvet de chez Givenchy avec l'anti-cerne, Born This Way de Too Faced. Et j'ai retesté ma petite face makeup fixeur là de Kiko, parce que ce soir je sors et du coup je voulais voir ce que ça allait donner, si ça va tenir encore comme la dernière fois. Et voici de plus près, ce rouge à lèvres est magnifique, j'aime bien, c'est un petit cut crease comme ça. Je n'en fais pas souvent, mais là ça fait déjà deux fois cette semaine, ça commence à être sympa. Ça commence à me plaire, après c'est un peu plus extravagant. Espérons que ça plaise à mon chéri. Et aujourd'hui mon papa va venir, donc je suis méga méga contente qu'il vienne un petit peu à la maison, il va rester 2 jours. Et après, c'est mon petit frère qui va rester une semaine à la maison puisque lui, il est en vacances à Paris, mais pas chez nous, on n'est pas encore en vacances. Du coup, il va rester à la maison, il va venir avec nous, on va pouvoir profiter de lui pendant cette semaine, même si moi je travaille. Je vais quand même pouvoir profiter de lui, ça va être très sympa. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. J'essaierai tout à l'heure peut-être de vous faire un petit coucou, sinon je vous glisserai une petite photo de mon papounet. Mais j'espère vous faire un petit coucou, sinon si c'est pas fait, je vous ferai ça sur Instagram parce que j'aime bien faire des petits coucou avec mon papa sur Insta. Donc rejoignez-nous, hein, la team Karine Miss Boop sur Insta. Et comme ça vous verrez un petit peu tout ce qui se passe quand je ne vlogue pas. Au niveau des livrets, je vais pas vous montrer comment je remplis mes livrets. Je prends mes évaluations, j'ai ramené toutes les évaluations de mes élèves dans leur petite pochette où il y a toutes les évals. Je reprends toutes les compétences que j'ai évaluées au fur et à mesure de l'année. Je remplis mon petit livret sur ordinateur puisque tout se passe sur internet maintenant. On a un livret que nous pouvons faire directement en ligne et les parents ont un mot de passe, un code qui leur permet d'accéder en ligne à leur livret et de pouvoir du coup regarder un petit peu ce que j'ai mis, les appréciations, les... Alors il n'y a pas de notes, hein, mais c'est les A, B et C. Donc nous je mets acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. Et du coup c'est dans le même esprit. Donc ça reste dans la même continuité au niveau de mes évaluations et le livret. C'est juste qu'après il y a les bilans à chaque fois par matière, le comportement de l'enfant, etc. Donc il faut que je fasse ça. Et ça prend des heures et des heures, sachant que quand on a 28 élèves, ça prend juste encore plus d'heures. Donc,
souhaitez-moi bonne chance, même si c'est la dernière ligne droite, après ce sont les vacances, on va pouvoir profiter un petit peu, et puis, j'espère que ça va aller. Oui, j'essaie de m'auto-motiver à travers cette vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier aussi pour la dernière vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Ma vidéo make-up, nocibé, etc. Alors, c'était pas un make-up extraordinaire, mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo make-up blabla qui est dans ma tête encore. Je l'ai pas encore tournée, mais qui est dans ma tête avec les produits qu'Aurélie m'a offert dans notre shop. Mais là, dans cette vidéo, je vous ai parlé de pas mal de petites choses, 5 petites choses que je vous dis un petit peu sur moi que vous ne savez peut-être pas. Et vous avez été nombreuses à jouer le jeu, à me dire en commentaire les choses vous aussi que vous osez pas trop dire. Ça m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de choses en commun et ça m'a rassurée aussi, hein, faut le dire. Du coup, n'hésitez pas à aller voir vous aussi et à me dire les petites choses que vous osez pas trop dire aux copains, aux amis. Vous allez peut-être leur dire à un moment donné, comme ça, au passage d'une conversation, mais voilà. Vous irez voir si vous êtes curieux. En tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, vos messages qui m'ont vraiment touché. Et puis, on se revoit très prochainement. Salut!